C'est l'heure de la sieste au Grand Hôtel. Manuela chouchoute les clients. À 26 ans, elle est la responsable du spa de l'établissement. Bonjour madame. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on a rendez-vous pour un soin visage. Donc, au niveau du soin que vous avez choisi, ça va être le soin hydratant. Ensuite, j'appliquerai du coup le masque et je terminerai par un massage du visage. Est-ce que ça vous convient ? Très bien, merci. Après des études d'esthétique, Manuela a fait une spécialisation en massage du monde qu'elle utilise régulièrement pour répondre aux besoins d'une clientèle exigeante. La prise en charge, elle va être vraiment haut de gamme avec des demandes assez spécifiques, plus pointilleuses. Donc c'est là où ça va changer, par exemple, d'un institut. Le service en plus et le luxe, deux piliers du Grand Hôtel. Cultivé dans les règles de l'art par son directeur, Thomas Lisnard. Je ne pense pas que l'ADN de l'établissement soit de casser les codes à tout prix. On sait évidemment que quand on sera plus là, le Grand Hôtel sera encore là. Il était là avant et nous, on est une toute petite partie de l'histoire et c'est déjà un honneur de faire partie de cette histoire. C'est ça qui fait qu'un établissement comme le Grand Hôtel traverse les époques parce que c'est la Madeleine de Proust, hein, tout simplement. Une forme de continuité dans la modernité, c'est le défi à relever dans une époque où la tendance est au séjour raccourci aux escapades. La clientèle de l'hôtel est à 85% française, ce qui favorise le sentiment d'appartenance et l'esprit de famille. Y aurait-il d'autres mots pour définir la maison ? Élégance, tradition et raffinement. Trois, ça suffit ? Il y en aurait peut-être un dernier, humanité. Ce contact humain qui ne sera jamais supplanté par le numérique. Ce conseil aux petits soins qui fait dire à Thierry que le concierge sera toujours présent. Il reçoit régulièrement des messages de remerciement qui font chaud au cœur. Le petit mot avec le petit cœur. Puis la petite annotation dans l'anglais. Cher Thierry, nous sommes enfin arrivés pour vous remercier pour toute votre assistance dans l'organisation de cette visite spéciale en Bretagne. Merci beaucoup, Zolebovitch. Voilà, c'est bien, c'est émouvant. De l'émotion, des rires, de la discipline, de l'organisation et des coups de pression. C'est aussi l'addition de ces personnalités qui concourent à faire perdurer l'histoire du Grand Hôtel de Dinard.